Depuis l'abandon par les Américains de la base Normand, les habitants du village de Jean Couzy situé à l'ouest, se sont emparés d'une partie de l'armement conventionnel mais surtout biologique. La Russie recourt à une société de mercenaires pour récupérer l'armement, et utiliser l'arme biologique pour éradiquer les habitants du village, et ainsi éliminer toute trace de ce vol. De son côté, la communauté européenne mobilise une force d'intervention rapide composée de forces spéciales françaises, avec une équipe spécialisée NBC, et renforcée par une unité Delta mobilisée par les Américains. Le rôle de cette équipe est de récupérer l'arme biologique pour l'exfiltrer au plus vite, et éviter qu'elle ne tombe aux mains des Russes. Bon, ça y est, nos petites équipes, nos escouades sont en place, chacun à leur ordre respectif. Donc il y a un binôme qui se trouve au niveau du moulin, un autre binôme qui se trouve au niveau du terrain de rugby, un trinôme qui se trouve à Jean Couzy Nord, et nous on est toujours à Jean Couzy Sud. Palette de pit, palette de pit. Oui, pit. On a des basketteurs. On a des basketteurs dans le terrain de rugby. Ok, bien reçu, bah, vous les engagez. Ici Pete, apparemment on a un point de respawn, il y a un drapeau russe sur le terrain, on va aller les emmerder. Okay, Pete, vous les accrochez, mais très tôt, de manière à ce que vous ayez le temps de revenir sur le village. Il ne faut pas les laisser rentrer dans le village. Bien reçu. Villageois de Mixi, j'ai 4 Pax au sud de Jean Couzy qui se dirigent vers nous. Terminé. Six Pax au sud de Jean Couzy. 6 Pax. Pitch, t'écoutes ? On a 15 tampons qui arrivent par la boucherie à l'ouest du village. 10 Bordolotte, il y a 10 packs qui arrivent sur la mairie, 10 packs qui arrivent sur la mairie par le terrain très dégagé là, la zone de parachutage. Le problème c'est qu'ils sont au milieu de champ. À peu près, moi je vais pas la partie, je vais tirer à 100 mètres, à plus de 100 mètres, même 200 mètres. Ok. Bon, petite mise au point. Donc ouais, il y a les 12 packs qui sont montés derrière la poste là-bas. Et Seb a trouvé le parachute à l'étage dans la villa de Jean Couzy Nord. Donc c'est bon. Donc nous on reste en position. J'ai dit à Morgane de courir l'est. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se fasse prendre par derrière. Il y a quelqu'un dans la grande maison là? Non, il n'y a plus personne, elle est montée sur celle-là. Après moi je tourne, je vais là, je descends. Mais là vu qu'il y a Bill, du coup ça nous fait une personne en plus. Ouais. À tous les villageois, le blindé a été pris par les mercenaires. Les mercenaires sont en train de progresser dans Jean Couzy Nord. J'en vois deux. Oh putain. Les deux qui sont partis là. Ouais, c'est des arrières là. Il y en a 3 qui sont partis hier là. Là ils contournent par là-bas les mecs. Il y en a 2 ou 3 qui sont partis pour la bâtiment. Allez, on replie. Contact au sud, contact au sud. Il y en a un qui est passé sur la droite. Avec le bandana? Ouais. Ok. Bon, suite à la perte de Jean Couzy, nous décidons de rattaquer le village par le nord et ainsi essayer de récupérer le maire pour avoir les informations sur l'emplacement de l'artillerie. Belette de Mixi, on a des mercenaires en visuel au niveau du tank, du coup on se rabat vers Jean Couzy centre pour progresser à Jean Couzy nord. Et nous sommes en train de progresser dans le bois derrière les cabanes africaines, tu vois. Les cabanes africaines, ok. Ok, bien reçu. Voilà, c'est ça. Il faut aller chercher jusqu'au bout de l'arbre là-bas. Ouais, on y va. Allez. Et mon cœur, suis Nico, cours, cours, cours. Allez, derrière le mur. Belette de Mixi, on est derrière l'école. On va monter là. Bien pris. Allez, ma vie, là. C'est moi. Courage. Oui, tu me prends l'envers, hein. Allez. Still. Ça y est, fin de première partie. Donc les villageois ont réussi à capturer Jean Couzy Nord. Grosse bataille, hein, très grosse bataille. Surtout avec une cheville hein, pas trop vaillante, hein, mais bon, c'est bon, elle a tenu de la journée. Venus de l'Est, les mercenaires foncent sur le village de Jean Couzy pour trouver l'armement. Ils se heurtent à la résistance acharnée des villageois. Pendant ce temps, la force d'intervention rapide est insérée à 1 kilomètre au sud de Jean Couzy, afin de reconnaître les abords du village, et récupérer les produits de neutralisation parachutés la veille au sud-ouest. Dans le milieu de la journée, les mercenaires s'emparent du village, et le fouillent à la recherche de l'armement caché. Les interrogatoires menés sur les villageois capturés, révèlent que seul le maire du village, connaît l'emplacement de l'arme biologique. Les mercenaires engagent des reconnaissances au nord vers la ferme de la Cruzette tout en maintenant la défense du village. Les équipes de la force d'intervention postées au sud-est et nord-ouest du village continuent leur manœuvre de contournement vers le nord. Lors de ce déplacement, l'équipe Bravo intercepte le maire. Son interrogatoire livre la position de l'arme biologique cachée dans un bois situé au nord de la ferme de la Cruzette-Bas. L'ensemble des équipes de la force d'intervention se regroupent et neutralisent les produits biologiques pour pouvoir transporter le cocon qui les contient. La force d'intervention reçoit l'ordre d'appuyer les villageois pour reprendre la partie nord de Jean Couzy, qui finira par tomber en fin de journée. C'est ici pour moi, Lili. Bon, seconde partie du week-end, nous avons Jean Couzy Nord et notre mission est de capturer Jean Couzy Sud. Je décide de prendre en binôme Lili pour attaquer Jean Couzy Sud par l'est. Azimut. Allez. Lili pour les villageois, quelqu'un me reçoit. Ouais, les villageois reçoivent. Ok, vous en êtes tous dans votre assaut. On s'est fait refuser, on tient le nord là, eux on en a plus. Ok, nous avec ici on est derrière le village, on est à 50 mètres de la NPE. On a un petit peu beaucoup de monde autour. Est-ce que vous avez moyen de faire une grosse diversion ou une tentative d'assaut ou quelque chose juste pour les attirer? Je répète, est-ce que vous avez moyen de faire une diversion qu'on puisse s'infiltrer dans le village? Ok. Il avait mis un peu. Le sniper? Un peu, il y en a un dedans. Je sais pas. Il y a une casquette. Gaffe, il y en a là. 20 mètres, il y en a un. Oh! Les mercenaires occupent Jean Couzy Sud, les villageois et la force d'intervention tiennent Jean Couzy Nord. La force d'intervention exfiltre l'arme biologique par la piste d'atterrissage située au sud du village. Les mercenaires lancent un dernier assaut et réduisent les équipes Delta et Charlie, qui se préparaient à rejoindre le véhicule d'exfiltration. Les mercenaires s'emparent de l'arme biologique, et la déplacent vers Jean Couzy Sud où ils la font exploser malgré la contre-attaque des villageois et du reste de la force d'intervention.